Le 26 avril 1988, l'Union va relayer un titre sensationnel, l'une des plus grands films de Nollywood. C'est une présumée phrase de Mbatem, j'ai déjà mangé 6 personnes. Ces propos-là, Mbatem va les nier en bloc durant tout le procès. Sur la photo, on peut y voir Théophile Mbatem, poignard entre les dents, avec deux bouteilles de fétiche entre les mains. On ne le sait pas encore, mais cette photo va marquer des générations et des générations. Mais tout ça a été planifié par les gendarmes, mais surtout par les rédacteurs de l'Union qui ont voulu donner une version un peu fantasmée de l'affaire Mbatem, quitte à nous éloigner un peu de la vérité. Les amis, aujourd'hui je me propose de découvrir avec vous l'affaire Mbatem. Une histoire qui a été amplifiée et surtout beaucoup instrumentalisée par la presse. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Mbatem, celle qu'on connaît tous. Ensuite, je vais vous donner quelques petits détails qui laisseraient croire que l'affaire Mbatem n'est pas si simple. Mbatem a-t-il réellement mangé quelqu'un? Pour qui travaillait-il? Et comment est-il devenu comme ça? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes debout, asseyez-vous parce que nous allons découvrir l'histoire de Théophile Mbatem. Les amis, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo à un proche. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux comme TikTok ou Instagram, où je partage des trucs en rapport avec le contenu que je mets ici sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite information pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne financièrement. Une cagnotte Litchi et un compte PayPal seront mis à votre disposition en description. Pour ceux qui veulent participer depuis le Gabon, un numéro Airtel Money est également à votre disposition. Les fonds récoltés serviront essentiellement à alimenter la chaîne en finançant le montage par exemple ou la documentation. Bien entendu, ceci n'est pas obligatoire. Merci encore pour votre soutien et bon visionnage. L'affaire Mbatem commence en réalité à Oyem avec le professeur André Ondondo. Il a 36 ans, il est père de 4 enfants, il est marié, tout se passe bien dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui est sympa au quotidien, qui rigole avec tout le monde. Tout va basculer dans la vie du professeur André Ondondo quand il va commencer à avoir des soucis avec sa femme. C'est donc là qu'il va rentrer dans une dépression. Le professeur André Ondondo n'a plus envie de rien, il n'a même plus goût à la vie, c'est donc là qu'il décide de vouloir se soigner. Il va donc rentrer par WhatsApp, encore moins Instagram, et vous vous demandez certainement comment ils ont fait pour se rencontrer. C'est par l'intermédiaire du beau-frère de Théophile Mbatem qu'ils vont se rencontrer, parce que ce dernier vient de s'installer à Oyem, et c'est lui qui va parler de son beau-frère à André Ondondo, et qui va lui dire, franchement Mbatem c'est le meilleur des meilleurs, c'est le best des gangas, je suis sûr et certain, il va trouver la solution à ton problème. C'est alors que le professeur André Ondondo va quitter Oyem pour se rendre à Libreville, accompagné de son fils de 3 ans sous les recommandations de Théophile Mbatem. La nuit fatidique où il devrait se faire guérir, Mbatem va faire consommer une grosse dose d'iboga à son patient avant le rite. Après ça, le rite va commencer au son du tam-tam, inhabituelle. Il va avoir des crises et sera très très agité. Il sera limite en transe, incontrôlable pour Mbatem et son équipe. Et c'est à ce moment-là que Mbatem et ses disciples vont décider d'abattre le professeur Ondondo. On est en avril 1988 et Théophile Mbatem et ses hommes viennent de tuer le professeur André Ondondo à Ovendo, près de la cité Octra. Tout ça dans le temple Bouiti de Mbatem. Et oui, Mbatem se disait grand maître d'une secte Bouiti. Aussitôt, ils vont aller jeter le corps dans une rivière et quelques jours après, vraiment quelques jours après, Mbatem va revenir sur les lieux pour retirer au professeur ses organes, couper son lui raser toutes les poils de son corps et il va également récupérer sa langue. Et pour récupérer la langue du professeur André Ondondo, Mbatem va lui briser la mâchoire. Après avoir récupéré tous ses organes du professeur André Ondondo, Mbatem va préparer un mets qu'il va déguster avec ses disciples. Enfin, tous ceux qui ont le troisième œil. On est donc en avril 1988 et les gens à Oyem s'inquiètent. Le professeur André Ondondo n'est toujours pas rentré. Sa famille qui s'inquiète va donc aller le chercher à Libreville. Quand je dis sa famille, je parle surtout de son frère qui va même réussir à arriver au temple de Mbatem. Mais arrivé au temple de Mbatem, Mbatem et ses hommes vont lui faire comprendre que le professeur André Ondondo a été bien soigné et qu'il est retourné à Oyem. Le frère du professeur André Ondondo ne va pas croire un seul mot de Mbatem et ses hommes. Il va appeler la police. Et quand le frère du professeur André Ondondo va revenir avec la police,
C'est à ce moment-là que le petit Herbert va surgir de nulle part et qui va reconnaître son oncle et il va tout déballer. Il va dire comment ils ont tué son père, comment ils l'ont assassiné. Le petit Herbert va raconter tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire l'assassinat de son père par Batem et ses hommes. Au début, Batem et ses hommes vont continuer de vouloir mentir, mais sauf que les policiers vont découvrir, pas très loin de leur temple, le corps du professeur André Ondondo dans une rivière. Et c'est la femme de Mbatem qui va tout dire, que Mbatem a déjà mangé 6 personnes, dont 2 de ses enfants. C'est tellement bizarre qu'elle dise ça, puisque c'est elle qui a préparé les organes du professeur André Ondondo. Pendant que sa femme fait ses aveux-là, Mbatem, lui, il nie en bloc, il n'a jamais mangé de chair humaine. Contrairement à ce que l'Union va publier quelques jours plus tard. Les amis, si vous êtes gabonais et que vous croyez à cette version de l'histoire, c'est que soit vous êtes trop naïf, soit vous êtes quand même malhonnête. Depuis que j'essaie de me documenter sur l'histoire, je vous avoue que je n'y ai jamais cru. Cette version-là, je n'y ai jamais cru. Retrouver un corps sur lequel on a extrait le p***, rien que ça, je n'y crois pas que ce soit du cannibalisme. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Et maintenant, je vais vous expliquer ce pourquoi cette version-là ne tient pas forcément la route. Si l'histoire de Mbatem s'était déroulée au Canada, en France ou au Sénégal, j'aurais pu y croire à cette version-là. Mais le fait que l'histoire se soit déroulée au Gabon, je dis que c'est impossible. Impossible pourquoi ? À cause des nombreux crimes rituels que le pays a connus. Vous pensez réellement que si je suis un cannibale et que j'adore manger la chair humaine, vous pensez réellement que ce sont les organes ou même encore le quelqu'un que je vais aller chercher. Sans oublier que Mbatem a aussi récupéré les cheveux du professeur André Ondondo. Vous pensez réellement que c'est parce qu'il avait envie de manger des cheveux? Et bizarrement aussi, tout ce que Mbatem a extrait du professeur André Ondondo, ce sont les mêmes organes qu'on retrouve souvent mutilés des corps qu'on retrouve après certains crimes rituels au Gabon. Comme par exemple le foie, comme par exemple le cœur. Et si Mbatem voulait vraiment manger le corps du professeur André Ondondo, pourquoi avoir attendu des jours pour aller extraire tout ça? Laisser un corps dans une rivière, attendre des jours pour aller extraire les organes pour les manger, sachant comment le corps humain se décompose. Et en plus, il prend les organes. Quand on sait que les organes, ce sont les premières parties du corps qui se décomposent quand quelqu'un meurt. Et en plus, dans l'histoire de Mbatem, on sait également qu'il n'y a pas eu de véritable enquête et que le procès s'est fait sur la base de beaucoup de témoignages. Une chose est sûre, c'est que l'Union, le quotidien d'information, a donné une trajectoire différente à l'histoire en titrant Mbatem, j'ai déjà mangé 6 personne. Et pourtant, Mbatem, lors du procès, il va renier ces propos-là en bloc. Pour lui, il n'a jamais dit qu'il a mangé des gens. Certaines personnes vont peut-être penser qu'en 2019, il a demandé la grâce présidentielle et il a avoué certaines choses. C'est pas le fait de manger des gens qu'il a refusé, c'est juste le fait qu'il ait dit que la mort du professeur André Ondondo n'a été qu'un simple accident. Pas le fait qu'il ait mangé quelqu'un, parce que ça, Mbatem le refuse depuis le début du procès en 1988. Quand on sait que Mbatem travaille avec des grosses personnalités du pays, on comprend un peu mieux pourquoi l'enquête n'a pas été un peu plus poussée. Je pense que dans cette affaire, s'il y a une chose qui a été souvent négligée, c'est le CV de Mbatem. Enfin, quand je dis son CV, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est-à-dire ses études et comment il se comportait aussi avant cette histoire. Mbatem est né en 1950. Ses proches le décrivent comme très intelligent et surtout très aimant. Et il va même aller en Belgique pour poursuivre ses études. Puis ensuite, il va revenir à Libreville pour travailler près de là où il va créer sa secte, c'est-à-dire à Ovando, au camp Octra, là où il sera mécanicien. Jusqu'ici, il n'y a rien à signaler sur la vie de Mbatem. Mais c'est en 1979, en Guinée équatoriale, qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Là-bas, il va rencontrer celui qu'on appelle Esonomba Finomeno. C'est un homme de Londres qui dirige des grandes sectes en Guinée équatoriale. Et c'est lui qui va clairement transformer Mbatem. Déjà, il va lui promettre énormément de richesses. Et à partir de là, Mbatem va devenir complètement méconnaissable. Quand on demande par exemple à sa tante de nous parler de Mbatem, elle répond par exemple que Mbatem était quelqu'un de très aimant, quelqu'un de juste, quelqu'un qui aimait parler, quelqu'un qui aimait le contact avec les autres. Mais par exemple, à la cité Octra,
là où il habitait, dans le milieu des années 80, là-bas, la cité Octra, il était craint comme une panthère. Les gens ne l'approchaient pas beaucoup. Une chose est sûre, c'est que Mbatem n'est pas innocent, mais on a tellement grandi avec l'image du Mbatem qui mange les gens, Mbatem qui aime la chair humaine parce qu'il aime ça, parce qu'il aime le goût de ce que le corps humain peut procurer à ses papilles gustatives. Mais l'hypothèse que Mbatem aime la chair humaine ne tient clairement pas la route. Mbatem a peut-être mangé le professeur André Ondondo, mais c'était certainement pas parce qu'il aimait ça. C'était à des fins fétichistes, vu qu'il a mangé ça avec toute son équipe. Son équipe avec laquelle il a mangé le professeur André Ondondo. Cette même équipe-là l'a trahi pendant le procès. Ils ont tout jeté sur Mbatem. Sur ma dernière vidéo sur la peine de mort, j'ai demandé qui sait pourquoi Mbatem n'a pas été condamné à mort. Pourtant, bien après lui, certaines personnes ne méritaient pas la peine de mort. Je pense notamment à Théophile Mbatem, le cannibale. Petite question, qui sait pourquoi Théophile Mbatem n'a pas été condamné à la peine de mort? Je vous laisse répondre en commentaire. Je n'ai pas eu de bonne réponse dans les commentaires. La vraie raison, personne ne sait vraiment, parce que Mbatem a été condamné à la peine de mort en 1988. Son exécution a été repoussée, jusqu'à ce qu'en 2007, le projet de loi d'abolir la peine de mort arrive et qu'on annule la peine de mort au Gabon. Donc Mbatem n'a pas pu être exécuté. Vous pensez que c'était de la chance ou c'était prémédité? La peine de mort de Mbatem va donc se convertir à la perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Concernant l'histoire, les fans mangent les gens, ce n'est pas forcément à cause de Mbatem que ce stéréotype-là est né, mais c'est à cause de toute l'équipe, parce qu'on a attrapé un groupe essentiellement fan dans une secte fan qui mangeait les gens, parce que la secte de Mbatem était affiliée à la secte de Essonomba Philomeno en Guinée équatoriale, qui était également composée des fans. Donc c'est à cause de tout ce cartel qu'on a accusé les fans de mangeurs d'hommes. Certaines personnes pensent que Mbatem était un cannibale. Certaines personnes pensent que Mbatem faisait des crimes rituels pour des grandes personnalités au Gabon. Certaines personnes pensent aussi que Mbatem a été instrumentalisé. Une chose est sûre, c'est qu'on ne saura jamais la vérité tant qu'une enquête sérieuse ne sera pas menée. Les amis, après tout ce que je viens de vous raconter, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Mbatem? Pour vous, quelle est la version qui tient le plus la route? Cannibalisme, crime rituel ou autre chose? Une chose est sûre, c'est qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple pendant un certain temps, mais une chose est impossible, c'est qu'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous. Au revoir.